Bonjour. J'ai dit qu'il est fou. Le 26, là, c'est là on court pour acheter les choses. Il est fou. Oh, là, il n'y a pas de. Je pense il y a plein de réductions, là. Je vais avoir à attendre 26. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Dieu vous bénisse, Jésus-Christ et Seigneur. Dans la vie, en tout cas, que l'Esprit de Dieu me conduise. Aide-moi, Saint-Esprit. Merci. Au nom de Jésus, amen. Dans la vie, là, il faut avoir la connaissance. C'est très important. Mon peuple périt par manque de connaissance. Quand tu as la connaissance, c'est vraiment bien. Donc, c'est ça. Vous savez, j'ai remarqué que il y a deux personnes dans cette vie-là. Deux. Il y a des gens. Il y a deux personnes qui existent. Il y a les gens qui écoutent, qui mettent ce que tu dis là en pratique. Ce que tu dis, par exemple, si les conseils que je donne, les gens peuvent venir me voir, ok? Il y a les gens comme ça dans notre vie. Il faut faire attention. Les gens, ils vont venir te voir. Il y a ce que tu vas leur dire là. Ils vont mettre ça en pratique. Et ils vont évoluer. Ils vont avoir des fruits. Il y a deux personnes. Il y a une qui va écouter ce que tu lui dis là. Mettre ce que tu dis là en pratique. Et la personne va avoir des fruits. La personne va évoluer. La personne va avancer dans la foi chrétienne. Dans la foi du Christ. Maintenant, l'autre personne qui vient te voir. Ils vont toujours venir, ils vont expliquer leurs problèmes. L'autre personne ne va pas écouter, hein, tout ce que tu vas lui dire là. La personne ne va pas mettre en pratique. La personne va dire que je vais faire, la personne ne va pas faire. Au fait, ce que j'ai remarqué là, ce que j'ai remarqué, et je donne des conseils, parce que ne permet Moi, je ne vais pas permettre aux gens de perdre mon temps, au fait. Non. Mon temps, là, c'est précieux. Je vais pas permettre à quelqu'un de venir perdre mon temps. Si tu n'as rien à foutre avec mes conseils, pourquoi tu viens me voir, au fait? Donc, il y a deux personnes qui existent. L'autre va le mettre en pratique. La personne va évoluer. Pendant que l'autre. Vous savez, il y a des puissances sataniques qui existent. Pendant que l'autre qui ne te croit pas là, la personne va quand même venir pour t'étirer. Ça veut dire que pour te perdre le temps. Et vous savez, quand quelqu'un vient à chaque fois t'expliquer, en tout cas que l'Esprit de Dieu m'aide, parce que je ne veux pas me perdre dans ce message-là. Je vais être bref, ce n'est pas un long message. La personne vient te dire quelque chose et 5 ans, c'est la même chose. Ça veut dire que son problème là est toujours même chose. Ça se répète chaque année, c'est la même chose. Chaque année, c'est la même chose. Ça ne change pas, c'est elle là. Ça veut dire ce que tu as dit à la personne de faire, la personne ne fait pas. Donc, une telle personne là, peut-être je pouvais dire 3 façons, mais bon, je vais parler de deux. Je vais parler, bon, peut-être prochainement. Une telle personne-là, c'est comme si la personne va tirer ton pied. Toi, tu es en train d'évoluer, tu es en train d'aller. La personne, l'esprit de la personne veut tirer, veut te faire descendre, au fait. C'est une personne qui veut te faire descendre, qui est là. Donc, à une telle personne-là, moi, je ferme la porte. Quand je remarque, je t'ai parlé, je t'ai dit, fais ça, tu n'as pas fait. Donc, c'est mon temps que tu veux perdre, quoi. Donc, on ferme la porte à une telle personne. Celui qui veut évoluer, on évolue avec la personne. Celui qui veut avancer, on avance. On te parle, on te dit, fais ça. Vous savez pourquoi on dit souvent, fais ça? Parce que nous autres, on a pratiqué, ça a marché. Essaye dans ta vie, tu vas voir si ça n'a pas marché ou pas. Mais, ces deux personnes, il y en a, ils écoutent, ils mettent la parole en pratique. Il y en a, ils n'écoutent pas. C'est pour t'attaquer au fait. Donc, ferme la porte à ces gens de personnes-là. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur.
Moi, j'ai fermé la porte aux gens cette année-là pour ne pas qu'on me perde le temps, en fait. Parce que les conseils, là, si tu veux évoluer, là, ton problème, là, normalement, 5 ans, 10 ans, ça doit changer. Quelque chose doit changer, quoi. Si ça reste comme ça pendant des années, c'est qu'il y a quelque chose. Que Dieu vous bénisse, je dis à Seigneur, bye.